C'était un bâtiment imposant et finement ouvragé qui dominait la plage. Le premier casino de Cayeux datait de 1880. On y trouvait des bains chauds et des salles de jeu, on y dansait et on applaudissait les performances d'une troupe théâtrale. Le temps passe. Quand la famille Blachère le reprend en 1992, c'est quasiment une ruine, malmenée par les récentes tempêtes. L'aventure est audacieuse. Entre rêve et utopie, à force de patience et de travail, le casino a retrouvé une majesté. C'est une expérience extraordinaire, c'est des rencontres fabuleuses, c'est une région magnifique. C'est nous qui aimons, il faut aimer les gens, parce qu'on passe notre journée à discuter avec nos clients, etc. Il faut aimer beaucoup, beaucoup le contact. Puis voilà, et puis on a un cadre exceptionnel. Pour rien au monde, je retournerai à Paris. Le cœur du casino, c'est la salle de jeu. Blackjack, table de boules et machines à sous. Un casino familial géré avec ce goût du contact et le plaisir du jeu. Une passion née d'une enfance rurale, loin d'ici. En Ardèche, en hiver, on n'a pas beaucoup de distractions. Et mes grands-parents nous faisaient tout le temps jouer aux cartes, aux dominos, on allait chez les voisins, on jouait tout le temps en fait. Et ma fille, elle a repris la direction du casino et on est quand même joueuses toutes les deux. Parce que tous les jours, c'est un jeu en fait. Retraité ou jeune joueur, jour de semaine ou week-end, les machines ici tournent quasiment sans relâche et la table du chef accompagne souvent les tours de jeu.